T'as qui la pampanche? Il y a toujours la même tête aussi, je crois. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce jeudi 25 juillet? Il est tout juste presque 15h. Avant de commencer ce vlog, je vous ai mis des petits passages très rigolos. Vous allez rire ou pas, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, nous fêtons nos 25 ans. Non, heureusement qu'Eric n'est pas là, il m'a pas entendu. Non, parce que je confonds avec la date et... Enfin, bref, je vais vous expliquer. Je confonds avec 25 ans et le 25 juillet. Donc, voilà. Non, nous avons 26 ans de mariage ce 25 juillet. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui même. Là, j'étais dans la salle en train de faire la fête. Eh oui, ça y est, j'étais mariée à Eric. Ça fait 26 ans. Donc, avant de commencer ce vlog, j'ai mis des petits passages de nous, de Mathieu quand il était bébé. En fait, quand je suis rentrée de la séance tout à l'heure, on est en train de regarder des petits passages de vidéos qu'on avait dans nos téléphones, enfin, plutôt celui de Eric, des vacances qu'on a passées, quand Mathieu était bébé, quand on l'a récupéré. Je vous mets des petits passages comme ça. Et voilà. Donc, c'est avant
que je vous ai parlé. C'est pour ça que je vous dis que je vous ai mis quelques passages avant de commencer ce vlog. Donc on est parti, on commence ce vlog tout de suite. Et oui, ça y est, je suis rentrée de la séance. Alors, c'était un truc de fou aujourd'hui. Non mais, je me lève. La séance était pour 8h15, 8h30. Ok, jusque là tout va bien. Je me réveille à 7h15, donc je me lève, je me prépare, je remets mon téléphone en charge, et là, mon téléphone sonne. Donc je vois que c'est un 01 ou je ne sais plus quoi, je me dis, c'est un démarcheur, c'est bizarre à l'heure là. J'étais à deux doigts de répondre et de leur dire, écoutez, c'est abusé là, je dors quand même. Malgré que je ne dormais pas, mais ils ne sont pas censés de le savoir. Donc c'est tout. Et ça me travaillait quand même. Du coup, je reprends mon téléphone. Et là, je vois que j'ai un message vocal. Et au lieu d'appuyer sur le message vocal, j'ai refait le numéro, en fait, qui m'a appelé. Du coup, j'ai laissé tomber. J'ai raccroché. Et le numéro m'a rappelé. Je dis, c'est bizarre, ça. Donc là, j'ai répondu. Et en fait, c'était l'infirmière, là, de ma séance de ce matin, qui me demandait si ça l'embêtait. Si ça m'embêtait pas de passer de l'après-midi parce que elle a mal lu le planning, donc elle m'a pas compté dedans, elle pensait que j'étais de l'après-midi. Donc elle me demandait si j'étais déjà partie, si j'étais prête et tout. Je dis bah oui, je suis presque arrivée là, j'arrive. Elle dit bon bah tant pis. Donc elle m'explique qu'elle est embêtée, qu'elle a pas vu le planning. Bah ouais, mais c'est pas de ma faute moi. Moi on m'a dit de venir alors là. Encore moi je lui ai dit. Vous m'aurez prévenu hier, j'aurais pu m'arranger. Hein, j'aurais pas fait la vache, j'aurais dépanné. Quoique j'ai déjà dépanné samedi, donc à un moment, il ne faut pas abuser non plus. Je suis en vacances quand même. Hein. Donc je veux bien une fois, mais pas deux, trois fois non plus. Hein. Même si, voilà, puis je ne suis pas toute seule. Hein. Même si je pars samedi, c'est pas une raison. C'est mes derniers jours de vacances, j'aimerais profiter. Donc elle m'appelle là à 7h15. C'est trop tôt pour la séance de ce matin. Enfin, je veux dire, c'est trop tard. Donc, elle m'a dit, bah, tant pis, venez quand même. Bah, de toute façon, je m'aurais pointé. Hein. Je n'aurais pas venu de l'après-midi. Non, mais en plus, je lui ai dit. Je dis, moi, j'ai des choses de prévues l'après-midi. Donc, voilà. Donc, il y a un monsieur. Non, mais le pire, c'est que, ouais, elle n'a pas bien fait son job, hein, parce que elle ne regarde pas les plannings. Moi, le gars, il m'a bien dit de venir à 8h15 ou 8h30. Il m'a pas dit que je venais de l'après-midi. Hein. Et moi, j'ai jamais demandé de passer de l'après-midi. Dans ces cas-là, j'aurais pas venu ici. Hein, pour passer de l'après-midi, bah, mes vacances sont gâchées. Quoi. Je perds quand même 3 jours par semaine. Quoi. Bref. Du coup, il y a un monsieur qui est arrivé vers 9h30. Moi, je pensais que c'était un gars comme ça, parce qu'il a été discuté avec elle dans l'arrière-salle, là, cuisine, je sais pas trop quoi. Et d'un seul coup, je vois qu'elle le branche. Elle l'a ramené dans la salle avec nous. Il y avait une machine, mais il n'y avait pas de fauteuil. Une chaise. J'ai dit, il ne va pas rester là quand même. Donc, il est resté là pendant au moins 40, 45 minutes, voire une heure. Et après, il y a une patiente qui avait fini 16 heures. C'est 3 heures ou 3 heures et demie, elle a fait. Alors, c'est ça, je ne comprends pas. C'est que la personne-là, elle sort avant moi. Et c'est moi qui dois venir de l'après-midi. La personne-là, elle fait encore moins d'heures que moi. Et c'est moi qui dois s'y coller. Non, j'ai pas compris. C'est parce que je veux pas faire d'histoire. Hein. Mais je pense que samedi, je vais en toucher un mot. Hein. Parce que je l'ai au bout de ma langue. Et je pourrais pas me taire, c'est pas possible. Après tout, c'est quand même moi la patiente. Hein. Donc, elle attend que la patiente s'en va. Elle a nettoyé le lit, enfin le fauteuil, et elle a donné au monsieur. Ben, je peux vous dire que 5 minutes après, le monsieur est dormi. Hein. J'ai été choquée, j'ai jamais vu ça. Franchement, ouais, parce qu'il y a des manques de personnel. Mais bon, même que tu aies un manque de personnel, tu regardes le planning. Tu regardes combien tu as de patients. Enfin, je sais pas, moi, c'est. T'es infirmière ou tu n'y es pas. Bref, je ne critique pas, mais j'en pense pas moins. Donc voilà pour ça. Sinon là après j'ai mangé, il m'a fait de la choucroute.
J'avais une boîte de choucroute. Elle venait de chez Lidl ou Aldi, je suis pas sûre. Ça vaut pas du William Saurin, ça c'est clair. Ah, puis ça fait 4 ans qu'elle est là. N'importe quoi. Mais j'ai mangé quand même, mais franchement, ça m'a pas calé. J'ai encore faim. Donc, on a été chez Leclerc pour aller chercher des boissons. Je vous ai fait montrer, on a été chez Leclerc. J'ai pris des petites choses comme ça pour finir ma petite faim. Des triangles Golini aux graines de sésame. J'aime trop ça. Mais je préfère la marque Belin. Hein. Je prends pas marque Repère ou Dassault marque. Je préfère les Belin parce que j'ai déjà testé et je n'aime pas. Donc j'ai pris ça pour me faire du petit grignotage. Je me suis pris un paquet de Brill comme ça, goût pizza. Hein. Ça fait longtemps hein, que j'en ai pas acheté. La dernière fois que j'en ai acheté, c'est il y a deux semaines à peu près. Ouais, si c'est pas plus. J'ai repris des Peach avec la barre de chocolat dedans. Hein. Moi j'aime beaucoup ça. Donc ça c'est plutôt pour mes petits déjeuners, pour finir les vacances et les goûter. J'ai repris des Savanes. Alors franchement, ils sont trop bons. Hein. Savanes de Papy Brossard. Franchement, ils sont trop bons. Bon, j'en achète ici parce que je suis en vacances. Hein. Mais à la maison, je vais les faire moi-même. Hein. Parce que ici, je ne vais pas faire de la pâtisserie. Hein. J'ai pris aussi une bouteille de sirop Mona caramel. Ça, c'est pour faire les cafés frappés. Voilà. Pour ici ou la maison. Enfin, ici peut-être, à la maison sûre. C'est ça que je voulais dire en fait. Je m'abaisse parce que les boissons sont par terre. J'ai pris de l'eau pétillante Eco Plus. J'ai vu qu'il y en avait et je voulais les goûter pour voir si j'aime bien. Et comme ça, j'en achèterai quand je rentrerai à la maison. J'ai pris également des prout-chout. Ça, pareil, pour mes petits déj et puis pour aller à la plage et puis la séance. Donc, tropical, j'ai pris. C'était une promotion hein, dans les 3,72 € je crois. Et j'ai pris également de la cristalline au citron, comme ça, de l'eau aromatisée. Voilà, c'est tout ce qu'on a acheté. On y allait pour les boissons. Et après, je lui disais, qu'est-ce qu'on mange ces jours-ci et tout, qu'est-ce qu'on prend? Il me dit, rien, parce que ce soir, je t'emmène au restaurant. Hey. Je vais le faire cracher, hein. Bon, attendez, je suis là depuis 26 ans quand même. Hein? Ouais, c'est clair, prends ta carte alors. Je peux pas, j'ai plus de sous là. Je suis à la dèche. Et puis demain, on a les dorades. Donc on va les faire demain pour pas les ramener à la maison. Donc demain, c'est dorades avec les légumes grillés, surgelés et du riz. Voilà pour ça. Et samedi, samedi midi, dès que je sors de la séance, on décolle, hein, parce qu'on prend la route, parce qu'on a de la route à faire. Et sur la route, on mangera au McDo. Voilà pour ça. Et le soir, on va improviser, on achètera du pain, du jambon. Voilà, on va faire des petites choses. On s'arrêtera à Lidl ou Aldi, peu importe. Et puis, comme ça, on prendra pour dimanche aussi, parce que dimanche, on ne va pas se lever et puis courir au magasin parce qu'on sait que ça ferme le midi. Donc comme ça, on prendra des petites choses pour le dimanche. Vraiment des petites choses, hein, parce que comme on rentre dimanche à la maison, il faudra juste pour le petit déj, si on n'a rien, ou pour dîner. Enfin, voilà, on verra ce qu'on va manger. On verra sur place est-ce que vraiment on a envie aussi. Voilà pour ça. Ensuite, quand on est sorti de chez Leclerc, ils mettent une grande bibliothèque, vous savez, et vous pouvez vous servir en livre. Et ça fait plusieurs fois que je regarde les livres. La dernière fois, il y avait un livre qui m'intéressait pour ma nièce, en fait. Il était tout en haut, mais moi, j'étais trop petite. J'étais dégoûtée. En plus, c'était un livre tout neuf, hein. C'était les maladies infantiles. Et comme ma nièce, elle est dans la médecine, elle est dans sa 6e année, là. Donc, je l'aurais bien récupéré pour elle, pour que, voilà. Puis après, si elle l'aurait rendu dans une bibliothèque, parce que chez nous, il y en a pas mal, hein, dans nos villes. Donc, elle aurait fait ce qu'elle veut après, hein.
Mais pas de chance, j'ai pas pu lui récupérer. Mais je me suis récupéré un livre aujourd'hui. Donc je suis un peu dégoûtée parce que le gars a écrit dessus, le gars ou une meuf, hein, c'est marqué ne peut être vendu. Donc c'est un peu bête de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de l'effacer quand même, hein, voir si je peux. Je vais trouver un truc, mais franchement, il est trop beau. Et c'est la dentelière de Pascal Lainé. Alors, c'est une histoire. La dentelle, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, si je me trompe pas. Hein. Donc, voilà, je vais le lire. Alors, c'est vrai qu'avant, on lisait. On s'était mis à lire. Même avant d'aller se coucher, on lisait. Et après, on a laissé tomber. Il y a eu des choses qu'on ne pouvait plus continuer. Là, Eric, c'est son deuxième livre qu'il achète. Mais c'est... comment que c'est ton livre que tu as commencé là ? Omar Sy, qui a commencé à lire. Il était déjà à la 100e page. Hein, ouais. Donc, je me suis dit, moi aussi, je vais me remettre à lire. Et ça ne peut pas faire de mal. Au contraire, hein, ça me ferait du bien. Donc, je vais lire un petit peu ce livre. Je ne vais pas dire là maintenant tout de suite, hein, mais pourquoi pas à la maison aussi. Mais c'est ça qui me gêne en fait. À moins que j'essaye de... Maintenant, je peux même pas changer la pochette ou quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave. Enlever ça. Après, si je peux pas, tant pis. De toute façon, dès que j'aurai fini de le lire... Tu le remets dans un truc. Hein. Voilà, je le remets au truc. Hein. Ou bien je le passerai à Mélie parce que Mélie, elle aime beaucoup lire aussi. Donc, on verra bien. Voilà pour ça. Alors, moi, je prends pas des trop gros, hein, parce que sinon, j'en ai vite marre. Hein. Alors qu'à la maison, j'en ai des très gros. Et j'ai même dit que j'allais les donner, parce que je crois même que je l'ai dit dans une de mes vidéos, si je me trompe pas, il y a très longtemps. Et je pense qu'après, j'ai zappé. Donc, là, il y a, vous avez vu, il y a 176 pages. Donc, je pense que ça va aller très vite. Hein. Il n'y a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. Ah bah non. Tu fais quoi? Je vais mettre l'étagère là. Ah ouais. Donc voilà. Par contre, là, il fait chaud. J'ai soif. Ah, il fait chaud. Je vais boire quoi? Je vais boire une eau gazeuse. Eco Plus. Mathieu, il est dehors? Ouais, il est dehors. Ouais. Allez, on va goûter l'Eco Plus. Bon, c'est pas très, 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 très frais, mais... On va voir si ça donne quand même. Oula, oula. Déjà, elle est fort pétillante, mais j'ai l'impression qu'elle est salée un peu. Je sais pas si vous l'avez déjà testée. Dites-moi pour voir ce que vous en pensez, vous. Alors, le sel... Alors, résidu à sec, potassium, calcium, sodium 10. Ouais, c'est beaucoup, je trouve. Hein. Faudrait que je regarde sur les autres eaux gazeuses pour voir. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est salée. Bon, je vais la mettre au frais. Mais sinon, elle est bien gazeuse. Moi, j'aime bien quand c'est des grosses bulles. J'aime pas quand c'est des bulles fines. J'aime pas ça. Autant boire de l'eau, hein. Voilà. Là, de l'eau, j'en ai un peu marre. Vous savez, j'aime bien sentir un peu le gaz, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris de l'eau gazeuse et puis de l'eau aromatisée. Comme je vous ai dit, le coca, les boissons sucrées, genre limonade, tout ça, diabolo, j'arrête. Ce soir, je prendrai pas de coca non plus, hein. Un Perrier ou... Hein? Un Ricard. Ah ouais, pourquoi pas, c'est vrai que moi j'aime bien l'anis, ça. J'aime beaucoup ça. Et ouais, pourquoi pas, après tout c'est mon anniversaire donc de mariage. Donc j'ai le droit de me lâcher, surtout que c'est pas moi qui va payer. J'ai été invitée, hein, voilà. Mais crie-le fort quand même. Hein, crie-le fort. T'es invitée. Voilà. Il fait chaud, hein. Il fait lourd, hein. Oh là là, fou, il fait chaud. Donc voilà les amis. Le pain chez Leclerc, franchement le pain de chez nous,
Moi, ça me manque. Le pain ici n'est pas pareil. J'ai l'impression qu'il est fort compact. Et il n'y a pas beaucoup de choix, en fait. Oh, téléphone. Ouais. Désirable. Malgré que je bloque les numéros, on m'appelle tout le temps. Franchement, je trouve que ça sert à rien. Du coup, je disais quoi? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le clair, c'est pas cher. Ah ouais, le pain. Je disais le pain, non? Non, il dit des conneries, lui. T'as dit le pain, c'est pas le même. Bah oui, le pain, c'est pas pareil. Et je trouve qu'il est compact. Et il n'y a pas beaucoup de choix. Nous, chez nous, on a les marguerites, vous savez, en forme de couronne. Même en gâteau, tout ça, pas au chocolat. Comment ça s'appelle ça? Des chaussons aux pommes, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est... Ouais, non, franchement, dans le clair, on tourne en rond. Hein, franchement. Alors, je vous disais, on va pas chez Lidl, parce que Lidl, c'est toujours les mêmes choses. Il n'y a pas trop de choix. Bah, alors, Leclerc, on a tourné en rond. Parce que déjà, les prix, c'est phénoménal. Alors, attendez, ça, c'est un truc qui m'a... Voilà, je suis dégoûtée, en fait. Il y a un rayon à l'entrée, hein, dès que vous entrez de chez Leclerc, là, pas loin de l'accueil. Il y a tous les choses d'ici, vous savez, le pastis des Landes, c'est ça qu'on dit, hein. Tous les petites cacahuètes, machin, tout ça. Et je vois un petit pot que c'est écrit des cacahuètes à grignoter sans sel de chez Mimizande, ou un truc comme ça. Donc d'ici, à Mimizan. Je regarde la composition. La composition ne vient pas de France. En aucun cas, ça vient de France. Ça ne vient même pas d'ici. Les cacahuètes, ça vient de Chine. Le maïs d'Espagne. Les graines de courge de Chine. J'aurais dû prendre une photo. Hein? On aurait dû... Je lui ai même fait montrer, hein? Je ne vous mens pas. Et l'autre truc, il y avait deux choses en Espagne et deux choses en Chine. Et tout le reste, on ne sait pas. L'étiquette, oui, ça vient d'ici, bah oui. Et on vous paye ça 4 euros. Voilà. Ah mais arrêtez un petit peu, franchement, de nous faire croire que c'est des choses d'ici, alors que c'est même pas fabriqué ici. Enfin, c'est peut-être, ça vient peut-être d'ailleurs et que c'est fabriqué ici, j'en sais rien. Hein? Peut-être que c'est comme ça, mais quand même, quoi. Bref. Donc franchement, maintenant, il faut regarder les étiquettes. Alors, on regarde le prix du litre, le prix du kilo. Et maintenant, il faut regarder les étiquettes, la composition. Parce que, non, mais c'est dingue. On est empoisonné. Non, mais franchement, moi, je trouve que... Non, enfin, c'est pas bon. Non, j'ai pas... Non, mais c'est question de parler. C'est pas... Je dis pas que c'est pas bon. Mais il te faut payer cher un produit qui vient pas d'ici, que tu peux l'avoir toi par correspondance. Voilà, exactement. Voilà. Parce que moi j'ai déjà vu sur un site qu'on pouvait commander des produits de chez Mercadona. Et ben franchement, j'en avais beaucoup, beaucoup moins cher. Après, il faut pas me parler de taxes, machin, tout ça. Tout le monde paye des taxes. Bon, hein. Bon. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Hein. Comme là, la dernière fois, pour les côtelettes d'agneau, il y a une abonnée, ou un abonné, je ne sais plus, et il me disait, ou elle, parlait des taxes. Mais on paye tous des taxes, même mon boucher paye des taxes. Mais là, à 36 euros le kilo, non, mais il faut arrêter. Même un boucher qui a son propre compte, il ne met pas le prix là. Là, c'est un Lidl quand même, même qui paye des taxes, c'est Lidl. Il faut arrêter quand même. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais bon, il y a toujours des gens qui vont essayer d'acheter. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Il en faut pour tout le monde. Oui, il y a toutes les bourses. Hein. Bon, c'est bon, t'as fini ton coup de gueule ou... Non, c'est pas un coup de gueule, mais... N'en rajoute pas, toi. Et arrête de prendre mes cotons et tout. Et mon dissolvant aussi. Je vais essayer d'avoir un truc sur ton livre. Hein. Ouais, n'enlève pas la pochette quand même. Hein. Il teste. Ça s'en va? Fais pas des grosses taches. Regardez, j'ai une grosse auréole.
Ça va, mon bébé? Oui, mon bébé. On va aller à la plage. On va aller à la plage. Arrête, Mathieu. Tu veux ça? Tu veux ça? Tu veux un triangolini? Non. On va aller à la plage, comme on avait été la dernière fois. Il y avait quoi là-bas? Ça part pas. Oh non! Regardez ce qu'il m'a fait. Ça va s'évaporer. Je vais te faire un dessin, tu verras plus rien. Là, j'ai essayé, d'accord? Mais c'est pas à toi d'essayer, c'est à moi. Mais non, tu vois tout abîmé. Déjà, moi, j'aurais même pas pris un coton, j'aurais pris un coton-tige. Non, mais tu peux pas. Allez, comme ça, l'affaire est dans le sac. Bon, est-ce que vous avez une idée? Ce que je peux faire dessus? Bah, rien. Alors, si je le garde, en cas où. C'est pour lire. Non, mais. Et alors? On mettra une étiquette. Une étiquette de quoi? Bah, tu découpes une carte postale et tu mets dessus, comme ça, t'es tranquille. Vive mon anniversaire! Et ça part quand même, on dirait. Hein. Sinon, je vais essayer avec une ponceuse. Ah là 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 là. Donc ce soir, on ne sait pas où on va manger. Hein. On va regarder. Déjà, je ne sais même pas ce que je vais mettre. Hein? Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut quand même être classe, hein. Donc Julie et Vincent nous ont fait une petite vidéo en snap, en chanson. C'est trop rigolo. Hein? Viens boire, Mathieu. Et Julie, elle va chez le coiffeur samedi. Viens boire. Elle va samedi chez le coiffeur. Alors Julie, à la base, elle est brune claire. Non, brune claire, ça se dit pas. Non. Châtain clair. Ouais, parce qu'en fait, elle a fait tes couleurs et tout. Julie, elle est comme sa mère. Elle essaye toutes les couleurs. Du blond, elle est passée au foncé, elle est revenue sur du châtain clair. Et là, elle veut revenir soit sur du blond, soit être oh, pardon, rousse. Quand elle m'a dit rousse, enfin, je dis rousse, mais c'est pas, c'est un beau, hein, un beau roux. Mais elle a les yeux bleus, donc je ne sais pas. J'ai dit, écoute bien, Julie. Si tu fais ça, ne viens pas pleurer. Hein. Parce que Julie, à chaque fois qu'elle va chez le coiffeur, ça ne lui convient pas. Elle s'engueule même des fois avec des coiffeuses, c'est un truc de fou. Bon, c'est vrai que la dernière fois, la coiffeuse l'a ratée. Julie, elle est au bout de sa vie. J'étais même à deux doigts d'aller avec elle. Mais Julie ne se laisse pas faire. Donc, elle a été toute seule et ça s'est vite arrangé parce que sinon, je pense que Julie, elle l'aurait frappée, quoi. Hein? Elle était énervée ce jour-là. Mais j'ai dit, écoute bien, hein, ne pleure pas, ne chiale pas. Chialer, pleurer, c'est la même chose. Ah non, bon, bref. Non, non, c'est pas la même chose. Parce que Julie, elle ne pleure pas, chiale. Et parce que des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Elle lui fait peut-être montrer, mais on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut non plus. C'est peut-être à peu près pareil, mais du coup, je lui ai bien dit, Julie. C'est la première fois que tu vas faire la couleur là. Attention, c'est pas qu'on va rentrer et puis qu'on va t'entendre chouiner. Hein. On verra bien. Du coup, parce que bon, Julie, quand elle va chez les coiffeurs, c'est pas un coiffeur qu'on paye entre 70 et 100 euros. Hein. Elle, c'est... Voilà, c'est le summum, Julie. Parce qu'elle veut le top du top pour ses cheveux. Donc, voilà pour ça. Sinon, Amélie, son jardin, vous verrez, j'en suis... Non, je suis jalouse, en vérité. Mais elle a un très beau jardin. Elle a récolté ses haricots verts, son chou-fleur, bon, les courgettes, hein, ça c'est un gogo. D'ailleurs, elle en ramène à Julie. Vous savez que moi, Julie, elle est Madame Légumes. Hein. Julie, c'est Madame Légumes. Et du coup, elle en a ramené à Julie. Ses betteraves zébrées, elle en a ramené à Julie aussi. Et c'est quoi? Des concombres. Vous aurez vu les concombres que là. J'ai dit, tu m'en gardes, hein? Moi je vais à tout prix les goûter. Elle dit, maman, elle dit, tu viendras te servir. Il y a tout ce qu'il faut dans le jardin. Ses tomates commencent à rougir aussi. Elle a une tonne de tomates aussi.
de toute façon, quand je rentre, soit lundi ou mardi, j'irai chez elle chercher mon concombre et je vous filmerai son jardin. Que franchement, c'est une pépite son jardin. Je lui ai dit, je la félicite à chaque fois, hein, elle et Quentin, parce que c'est la première fois qu'ils font un potager. Et pour la récolte, ils ont tout récolté. Franchement, encore bravo Amélie et Quentin. S'ils regardent ma vidéo, et ben voilà. Je parle de vous, oui. Donc ça, quoi dire d'autre? Ah oui, Vincent va partir en vacances avec sa copine en Espagne. Donc ça serait pour à peu près le 10 août, hein, c'est ça, pour Vincent. Donc, alors il m'expliquait des trucs, mais j'ai rien compris. Donc je l'écoute Vincent. On rentre dimanche, on parlera tout ça, hein, tranquillement à la maison. Parce que moi je veux savoir quelle ville, quel hôtel, tout, je veux tout savoir. Hein. Sinon, même s'il est grand, ça a toujours été comme ça avec moi et les enfants. Ça ne changera pas. Il faut que je sache où ils sont à tel endroit. Parce que s'il arrive quelque chose, au moins je sais où ils sont. Hein. Je sais à quel hôtel ils sont. Je n'ai pas besoin de chercher pendant 3 jours pour sur 50 hôtels. Donc là, au moins je sais. Donc voilà. Et puis je préparerai ses affaires avec lui, quoi. Hein, pour qu'il n'oublie rien. Parce que Vincent n'est jamais parti en vacances avec quelqu'un d'autre. Que notre famille là avec des étrangers, c'est la première fois. Alors il n'y a pas que eux deux, hein. Il y a sa mère à elle, sa soeur je crois, et son mari, quoi. Je pense que Fré ça serait bien meilleur. Donc voilà, bon, pour ça. Après Julie elle part en septembre. Nous, on va faire des week-ends en août, si le temps nous permet. Hein. Franchement, j'espère. Alors, moi, j'ai pas acheté de cadeau, hein, pour notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Mmh. Quoi? Non. Parce que, en fait, j'ai une idée. Et j'aimerais en parler avec mes filles avant. Enfin, avec mes filles. Et... Je dis mes filles, hein, mais c'est mes deux filles et Vincent. Hein. Voilà. Parce que ça serait long de dire mes filles et Vincent. Bon, comme ça, vous comprenez. Mes enfants, voilà, je veux dire mes enfants, ça serait mieux. Parce que sinon on va dire, oui, tu penses pas à Vincent, hein. Bon, laissons-les parler. Il y a eu le marché ce matin, c'est pour ça que tout le monde est là. Ah oui. Et du coup, j'ai une petite idée, que j'en suis sûre que ça va lui plaire, hein. Je suis même certaine. Mais j'aimerais consulter mes enfants avant. Voilà, pour ça. Et je pouvais pas leur dire tout à l'heure parce que monsieur est toujours là. Tu te prépares? Non, je me prépare pas. Je discute avec mes copains et mes copines. Toi, t'as pas d'amis, toi. On va les nager, là. Ouais, on va les nager. Il me faut un short, hein. Il faut que je mette un short. Tu mets pas ton maillot de bain? Bah, je veux pas me prendre dans le maillot de bain. Non, je sais. Sinon, j'ai mal dormi cette nuit, les amis. Oui. Avec ce monsieur, là. Comme par hasard. Il a pris toute la place. Il fait 4 mètres, elle dit. Ouais, mais t'as pris toute la place. C'est vrai que notre lit est très grand. Mais en fait, c'est comme il mansarde comme ça, c'est vrai que nous, on peut dormir 3-4. Enfin, 2 adultes et 2 enfants, on dort dedans. Mais moi, je peux pas trop aller dans le fond, parce que j'arrive plus à respirer, sinon il me faut de l'air. Mais monsieur, c'est un malin, il se met à la fenêtre, lui. Mais ses jambes, mais hop! De l'autre côté, ouais, ça y ressort. De l'autre côté, alors moi j'avais plus de place. Et puis, je le pousse pas parce que sinon il va se réveiller. Il dormait tellement bien. J'ai fait la gentille. Les jours pour. Ouais, mon œil. Tu dors jamais. Ouais. Là, tu te joues, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il se jette. Il se jette beaucoup parce qu'il sait que moi j'ai le casque. Donc moi j'entendrai rien du tout. Mais bon, à prendre un macho, mais on sait jamais quand même. Et c'est vrai que. Ils surveillent pour ça. Hier, il n'y avait pas nos copains qui sont venus nous voir, les sangliers. Mais je vous mettrai, si j'y pense, hein, la vidéo des sangliers, soit à la fin de ce vlog, ou je vous mettrai dans une autre vidéo. Voilà, si j'y pense. Hein. Sinon, ça sera fait à la maison. Voilà.
Parce que vous savez, hein, j'ai tellement de choses à faire et à penser. Hein? Tu as pu le manger? Je suis là. Oui, oui, oui. Alors le bord, je le coupe. Je suis là, non? Pourquoi? Je sais pas, je touche. Ah ouais. Ça, celui-là, c'est celui que j'ai pris qui était pas bon chez Lidl. Ah ouais, franchement, les concombres, c'est phénoménal. Et là, j'ai vu, t'as pas vu le prix des concombres? 1,50€ pièce. Chez Leclerc, et les deux pour 2,99€. Bah non, bah ça revient au même prix en fait. Ah ouais. Tu gagnes un centime. Un centime. Non mais franchement. On va mettre sur côté avec un centime. Alors qu'ils ont dit que les fruits et les légumes, ça a baissé en prix. Hein. Comme on a eu une bonne récolte en concombre, hein, c'est ce qu'ils ont dit aux informations. Et ils nous mettent des prix comme ça. Non mais. Et... Ah là 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 là, les amis, je vous jure. Là, je vous jure, je vous jure. Bon allez les amis, c'est pas que je m'ennuie, c'est que ça fait 30 minutes que je papote. Cette vidéo va durer encore une heure. Hein. Et je me prépare et on part à la plage. On vous emmène avec nous. Bon les amis, je vous reprends, il est 20h, on sort de la douche, on se prépare pour aller au restaurant. On a été boire un verre comme je vous ai fait montrer tout à l'heure. Je prends une goutte parce que j'ai la gorge qui me gratte. Je me suis maquillée un petit peu, ça me fait trop bizarre, hein. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée quand même. Bon, j'ai fait léger, hein. Comme ça, elle est vraiment léger, léger. Si je l'ouvre pas, je peux pas boire. On a juste la Ducasse là en face de nous. Je vous dis pas les manèges à sensation, mais jamais je monterai dedans. Ah non. Alors on est juste là. Hein. Et puis la dernière fois, on était en train de les regarder. Hein. Il faisait bien noir et tout. Hein. Et... Ah, c'est vrai. Il fait trop bien le manège, ça. Ah ouais, grave. Mais moi, un manège comme ça, mais j'ai une crise cardiaque. Je vomis tout. Hein. Oui, tout à l'heure, on voulait aller boire un café, mais tout compte, on a pris un verre parce qu'il faisait chaud hein, quand même. Donc toujours café, café. Eh, ça sent la cocotte, là. Ah bon? Toujours café, café. On a changé. Bah, moi, toujours, j'ai pris un Diabolo Menthe. Bon, j'ai craqué. Et lui, il a pris une bière. À consommer avec modération. Et ensuite, j'ai été au tabac pour m'acheter des jeux à gratter. J'ai gagné que 5 euros. T'es millionnaire. Non, je serai pas riche aujourd'hui. Avec 5 euros, je peux te payer une glace demain. On pourrait gagner 11 euros, on a pu en manger deux. Ouais, mais moi, j'en mange pas, donc ça va. Ah, d'accord. Bref, du coup, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Bon, Julie, elle nous a appelé tout à l'heure. Elle a été chez mon père. Il a un chien. Il a un chien parce qu'en fait... Je crois que c'était pas très loin de chez lui en fait. Hein. La voisine d'en face. Hein. Ouais, c'est la... Ah, c'est la voisine d'en bah, face. Bah ouais, deux, trois maisons à côté. Pas celle en face là. Ah, je sais pas, peut-être, je sais pas. Ah ouais. Elle a dit en face. Ah ouais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes sont parties en vacances, c'est ça? Non, elle est partie à l'hôpital, la dame. Non. Mais les gens d'avant. Ah, les gens d'avant sont partis en vacances, ils l'ont abandonné. Partis en vacances, ils ont laissé le chien dehors, dans la maison, ou je ne sais où. Elle l'a recueilli. Dehors. La voisine d'à côté ou d'au-dessus, je ne sais pas quoi, une vieille, hein. Elle l'a récupérée. Mais cette dame, elle est rentrée à l'hôpital et paraît que ses jours sont en danger. Donc le chien, en fait, on ne sait pas combien de temps le chien est resté tout seul. Le chien s'est sauvé.
Et mes nièces, ils l'ont vu dans la rue. Et quand ils allaient chez mon père, eh ben, ça fait beau. Eh ben, le chien suivait. Donc, ben, ils l'ont ramené chez mon père et mon père l'a gardé. Alors, il ressemble à un petit peu pistache et un petit peu macho. Ouais. Entre les deux. Encore plus petit que macho. Alors, ses cheveux sont en l'air. Enfin, ses cheveux, ses poils. On dirait qu'il y a la punk. C'est trop rigolo. Alors, il s'appelle comment normalement ? Roxy. Roxy. Il paraît qu'il s'appelle comme ça. Mais mon père l'appelait Ratata. Et Julie, quand elle l'a vu, elle l'a appelé Ratatouille. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, mon père l'appelle Ratatouille. Donc... C'est laissé influencer. Ouais. Donc, bah, après, on a le cœur. Hein. Après, du coup, mon père, il voulait le laver le chien. Mais du coup, Julie, elle voulait le faire pour pas que mon père, il fait des efforts et tout et tout. Pour pas se baisser. Et puis, c'est quand même du boulot de laver un chien. Hein. Et Julie, elle a voulu le faire. Et au moment où elle veut le porter, il grognait. Du coup, elle l'a laissé. J'ai dit, bah ouais, Julie ne te connaît pas encore. Hein. Pourtant, elle lui faisait des papouilles et tout. Hein. Hein, il disait rien. Ah, c'est bien, Macho, avec nous pour le laver, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est parce que nous, Macho, il n'aime pas l'eau. Ouais, mais déjà, on le connaît, mais je peux te dire qu'un chat que voilà. Tu ne connais pas, ouais. Pour le mettre dans l'eau. Ouais, c'est vrai que nous, Macho, il grogne aussi. Mais du coup, bah voilà, mon père est un chien. Donc on est quand même content parce que moi, il sent moins seul. Hein. Puis c'est un petit chien, donc on verra ce que ça va. Justine, il y a beaucoup de temps qu'elle est morte. Ah, Tina, ça fait un an et demi. Non. Bah, si, hein. Quand même. Bah, ouais. Moi, je pensais qu'il y avait quelques mois. Non, ça fait. T'es c'est l'année dernière, bah oui. C'était avant les fêtes de fin d'année. Ouais, ça fait longtemps. Et le bouche. Donc, c'est pour ça que mon père avait perdu son chien. Bah, je l'avais dit hein, dans une des vidéos. Hein. Que mon père avait perdu sa chienne, donc il voulait pas en reprendre, hein. Même que Julie voulait lui offrir un chien et qu'il ne voulait pas, et vous voyez, hein, il a craqué quand même. Après, bah, le chien il restait là chez mon père, et bah, c'est qu'il se sentait bien, donc mon père il a craqué et il a adopté le chien. Donc de toute façon, je vous ferai montrer le chien hein. Quand je rentre de vacances, peut-être pas tout de suite parce que le temps que je rentre, que je fais mes séances, que je vois la maison, que vous voyez que je remets tout en ordre, que après il faut vider le camping-car parce que là, on va avoir du boulot, on va mettre au moins une semaine pour le vider. Hein? Parce qu'on a fait un bordel, nous. Hein? On n'est que deux, mais on a fait un bordel. Malgré qu'on aime ranger. Voilà. Mais c'est pas. En fait, pour moi, c'est du bordel. Si, c'est vrai. Ouais, mais c'est parce que c'est un petit espace, donc c'est pas comme à la maison. Donc on est obligé de mettre un petit peu partout. Hein. Mais bon. Alors tout à l'heure, on a été à la plage. Enfin, c'est une petite plage. Hein. Je vous ai pas filmé beaucoup parce que franchement, ah ouais, je vous ai pas raconté ça. Quand on est arrivé, il y a un chien sans laisse, sans collier. Je ne sais pas qui il était, mais il n'arrêtait pas d'embêter Macho. Et Macho voulait croquer. Il me suivait. Et moi, j'étais en train de m'énerver. En plus, je pensais que c'était une dame. Alors, j'étais en train de m'énerver. J'ai dit, moi, je vais aller la choper, la femme. Je vais lui dire, si c'est son chien, qu'elle le prend. Et tout compte fait, c'était pas son chien. Mais c'était chiant, quoi. Alors, on était obligé d'aller dans l'eau. Il venait à... J'ai m'énerve, en fait, là. Il venait à côté de moi, mais Macho, si y a un chat qui vient à côté de moi, c'est encore pire pour lui. Et Macho, il est tellement jaloux. Et il s'énervait, Macho. Alors moi, je m'énerve encore plus. Après, j'ai dit, bon, c'est bon, allez, tu vas à ta maison. Et après, toi, tu as commencé à lui dire. Hein. Et là, le chien a commencé à partir. Donc, on s'est dépêché, on s'est installé, et hop, on est reparti dans l'eau. Et ça va, il n'a pas vu Macho. Mais il a quand même senti un petit peu, pas loin de notre serviette. Hein. Hein, c'est notre foutoir, hein. Pas loin. Et on voyait que les sauveteurs, ils regardaient à qui il était le chien. Mais on voyait personne. Et le chien, il se baladait comme ça. Il faisait sa life. Hein. Et après, il allait embêter des gens. Après, il allait embêter des autres chiens. C'était infernal. Et puis, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans l'eau.
Enfin, je vais pas dire dans la mer parce que c'était pas la mer. C'était un genre de chenal. Dans, voilà, on va dire ça. Arrête, ma chenal. C'était vraiment rikiki, il n'y avait que arrête, ça. J'ai dit. Et après, tout l'eau est arrivée, mais nous on était déjà repartis. Parce qu'avec Macho, ça va pas. Je le redis encore, hein. Mais tout à l'heure, on le disait encore à Julie, il fait chaud pour les chiens. Puis Macho, il n'aime pas l'eau, déjà. Donc voilà. Bon, les amis. C'est pas que je veux pas rester avec vous, ah ouais. Mais là, il est 20h, et 20h10 même. Il faut vraiment qu'on va manger. J'espère qu'on va trouver une place, parce que si on s'est préparé pour rien, bien sûr, je suis pas bien. Ah ouais, il faut que je mette ma robe. Parce que j'ai remis mon combi short pour avoir moins chaud. Je vais mettre ma robe verte, qui est juste là, avec mes claquettes dorées. Hein. Ça ira très bien. Voilà, voilà. Allez, je me prépare et on se retrouve au restaurant. Les amis, on vient de rentrer, il est 23h, on a super bien mangé, c'était super bon. On a fait un petit tour à la Ducasse, franchement c'est des manèges de dingue. On voulait faire les autos tamponnantes, prendre une voiture chacune, et se filmer, mais les téléphones sont interdits. Donc du coup, on n'est pas monté. Ça nous a rappelé notre jeunesse quand même. Hein. Ça aurait été marrant, mais bon, tant pis. Une prochaine fois. Ouais, une prochaine fois, on fera ça. Donc là, Mathieu est très content parce qu'on lui a ramené un os. Donc là, il est en train de le manger, il est content. Il a bien gardé le camping-car, Mathieu. C'est un bon chien. Ouais, un bon chien. Voilà pour ça, les amis. Bah, on a bien mangé et on va faire un gros dodo maintenant. Hein? On a super bien mangé. Apéro, le repas,
Moi, j'ai pas pris de dessert parce qu'il n'y a rien qui me plaisait. Après, c'était beaucoup de la glace. Donc, moi, je voulais pas ça. Eric a pris un café gourmand. Alors, les desserts, ils étaient quand même copieux, je trouve, à toi. Hein. Les desserts, ils étaient copieux. Ils étaient hauts quand même. D'habitude, ils font des plus petits. Et là, je trouvais les coupelles assez grosses. J'ai pas été faire mes ongles, hein, du coup. J'ai dit, bah tant pis, je le ferai à la maison. Je vais pas aller passer une heure ou deux heures à aller faire mes ongles. C'est la fin de nos vacances, donc on en profite. Hein. Donc, c'est pas grave, je le ferai à la maison. Demain, je vais dire à Julie qu'elle oublie pas de me prendre un rendez-vous parce que lundi, elle va sur l'île. Parce que Vincent a un rendez-vous. Donc, elle ira me prendre un rendez-vous pour mardi. Comme ça, j'irai faire mes ongles. Je pourrais les faire moi-même, hein. Mais moi, j'ai plus de ponceuse, en fait. D'ailleurs, je vais peut-être investir dans une ponceuse. Comme ça, je pourrais faire mes ongles moi-même, comme je sais les faire. Donc, et puis, je rachèterai au fur et à mesure ce qu'il faut pour faire les ongles. Bon, des amis, voilà. On va se quitter pour ce vlog. On se retrouve demain pour un prochain vlog avec nous. Et bien sûr, la mascotte. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend quand vous regardez ce vlog. Et puis, bon appétit. Et surtout, prenez soin de vous. C'est très important. Moi, j'ai des petits yeux là. Je suis fatiguée. Je me suis pas reposée aujourd'hui en sortant de la séance. Hein. On est parti directement faire quelques courses. Et puis après, la plage. L'heure passe tellement vite, les amis. C'est incroyable, on sent que c'est la fin. Demain, après samedi, mais samedi je pense qu'on compte pas trop, on va dire un jour et demi alors. Et après c'est le départ, voilà. Julie, elle a hâte de nous retrouver, elle s'ennuie, hein. Elle n'arrêtait pas de nous le dire tout à l'heure. J'ai hâte que vous rentrez, là je me rends compte que c'est trop long et tout. Ouais. Et puis quand on va rentrer, elle va nous en... hein. Nous en kikiner, pour être polie. Allez les amis, à demain, gros bisous, dormez bien, bonne nuit, ciao, j'ai oublié.